Bonjour, comment vous appelez? Monsieur Charnet. Bonjour la caméra. Ouais, j'ai un bureau un peu difficile. D'accord. Alors, Antoine Desroches, ton métier c'est quoi? Bâtiment. Oui, bah c'est... Plâtrerie, peinture. Plâtrerie, peinture. Peinture et finition de chantier. Oui, mais en même temps, vous êtes quand même monsieur Desroches un peu généraliste. Oui, c'est vrai. Nous faisons un petit peu varié, parquet, carrelage, plâtrerie, peinture, revêtement de sol, et puis voilà. Ce qui permet quand même pas mal d'être polyvalent, de voir beaucoup de choses. Exactement, et puis de pouvoir prendre des chantiers en, comment dirais-je, du début à la fin. Voilà. Ouais, ce qui est quand même intéressant parce qu'au moins on voit comment tout se construit. Exactement. Et la question c'est comment t'en es arrivé là? Fils artisan. Ah, le déterminisme. Je suis tombé dedans petit et je m'en suis pas sorti. Voilà. Ah mais ça plaît. Ça me plaît, oui, au bout de 35 ans de métier, oui, c'est obligé. Ouais. Je ne peux pas en faire autrement. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce travail-là? La création. Ouais. La création, partir de rien et voir la finition, ce qu'on peut arriver à faire avec peu. Voilà. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce projet de scie hydraulique? Puisque ça fait quand même quelques années que tu suis mes histoires. Ce qui me plaît dans la scie hydraulique, c'est compliqué. Faut suivre Monsieur Charnet qui en envoie des pages. Non, c'est participer. Déjà, en pouvoir, bon, pas spécialement manuellement, mais là, plutôt financièrement. C'est pas que parce que tu nous as aidé au début, si tu t'en souviens, quand on a fait les premiers bâtis et qu'on avait toutes ces questions de structure. Et c'est vrai que tu avais un regard justement par rapport à cette globalité qui est extrêmement intéressant parce que tu croises tous les chantiers, tu croises tous les niveaux de construction. Ouais, mais là pour moi c'est différent parce que c'est pas le bâtiment. Ça peut servir pour le bâtiment, ouais. Mais c'est, on va dire, plutôt la création matérielle, matériaux. Que la pose de matériaux. C'est juste. Hein? Pour moi, je suis de loin. Je suis pas dedans à fond, ça c'est vrai. Parce que moi, toi, c'est pour faire du matériau. Oui. Donc nous, après, on utilise le matériau, que là, c'est le matériel pour créer le matériau. Donc pour moi, c'est vrai que je suis pas... Non, je suis pas à fond dedans. Franchement, je suis pas à fond dedans. Mais ça te plaît quand même? Bah bien sûr, participer, d'aider les gens, de voir ce qui se faisait. Surtout. Et on va répondre à des questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse pour l'instant. Et c'est grâce à toute votre implication en général qu'on peut permettre d'avancer. Ouais, et puis je pense que j'ai pas tout compris pour l'instant. C'est bon, pas les bêtises. Merci Antoine. Et bien, apéro. Apéro. Allez.